Nous allons dire nos vérités aux artistes aujourd'hui qui sont devenus des politiciens. Que ces artistes sachent que dans une cité, chacun a sa place. Chacun doit jouer un rôle. Que le mécanicien ne peut pas devenir politicien. Que l'artiste qui est censé d'apaiser les choses, appeler à l'unité, que cet artiste ne peut pas devenir communicant ou propagandiste d'un pouvoir. Donc, dans une cité, chacun doit jouer un rôle. Les artistes aujourd'hui, des gens même que je connais, ils n'ont qu'à se calmer à un moment donné. Jouez votre part. Je vais juste mettre quelques extraits parce que je n'ai pas besoin. Moi, je ne regarde même pas trop TikTok. Si on ne m'envoie pas, je ne regarde pas. Voilà. Donc, c'est pour vous dire que moi, on m'a envoyé. Ce n'est pas pour dire que je n'ai pas le temps de suivre les gens sur TikTok. On m'a envoyé. Je vais vous faire écouter. Après, on va analyser. Vous savez, c'est pas parce que nous réclamons les élections, parce que à chaque fois que les Guinéens reviennent aux élections, non. En fait, quand tu prends un engagement, quand Mamadi Doumbouya prend un engagement, il faut qu'il essaye de respecter. Vous savez, c'est qu'on dit comme ça, il faut qu'il essaye d'être professionnel. Parce que tout ce qu'il faisait avant, c'était un peu aléatoire. Mon frère, je vais vous dire une chose. Je le dis, hein, tout le monde m'entend, que ce soit le président Mamadi Doumbouya, que ce soit un autre président, la manière que le Guinéen n'est pas intelligent là, tous les présidents vont venir font faire ce qu'ils veulent. Je vais vous dire le secret. Le jour que le président Mamadi Doumbouya a fait le coup d'état, il a dit à tout le monde de se calmer. C'est en ce moment que toute la Guinée, tous les Guinéens, vous les jeunes, c'est en ce moment qu'il fallait dissoudre les partis politiques, au lieu de vous battre pour que Alpha se retourne, ou bien Selou Nanani. C'est en ce moment qu'il fallait montrer à Mamadou Doumbouya, le président, on a les yeux ouverts maintenant. C'est le changement en Guinée. C'est en ce moment qu'il fallait dissoudre tous les partis là. C'est la partie qui m'a interpellé. C'est de la part de la grande sœur, Tiranké Sidimé, qui a commencé par la danse, qui est devenue chanteuse, dont je respecte lorsqu'elle est dans son milieu. Mais, Tiranké Sidimé, toi tu vis en Europe, tu as fait le tour du monde, tu es venu aux États-Unis, tu as vécu des années en Europe, tu as vu dans quel pays du monde, Tiranké Sidimé, dans quel pays du monde, vous avez vu des gens faire coup d'état et dissoudre les partis politiques. Tiranké Sidimé, vous avez oublié le discours de Mamadi, comme le jeune le disait. Il a pris un engagement. Il a parlé de dysfonctionnement des institutions. Il a dit que les Guinéens ne se regardaient pas. Il a parlé de troisième mandat. Il a parlé de gabégie. Lorsque quelqu'un nous dit dysfonctionnement de nos institutions, et vous qui soutenez Mamadi, vous dites que Mamadi, il devait dissoudre, que les jeunes devaient sortir. Tiranké Sidimé, il faut te respecter. C'est pourquoi dans une cité, tout le monde doit jouer un rôle. Vous avez été danseuse ici. Depuis que nous étions tout petits, on vous a vu. Vous êtes restée dans ce domaine, vous êtes devenue chanteuse. Vous avez chanté un morceau ici que tout le monde a aimé, Makalé. Si Mamadi doit dissoudre les partis politiques, c'est qu'il doit fermer la musique aussi. Tiranké Sidimé, si Mamadi devait fermer les partis politiques, vous les artistes aussi, qui chantent, qui font de la démagogie, on doit le ministère de la Culture que personne chante. Nous devenons tous des politiciens. Nous parlons tous de la même chose. Comment
comment des artistes comme ça... Grand, je te rappelle là, je suis en là, je te reviens. Comment des artistes comme vous, dans les shows pour dire, non, les jeunes, vous devriez accompagner Mamadi et on devait dissoudre les partis politiques. Pour remplacer les partis politiques par quoi? Tranquille, c'est dit, mais... Remplacer les partis politiques par quoi? C'est comme si moi, Damaro, je disais, Mamadi Doumbouya, il devait fermer, c'est-à-dire les boîtes de nuit, il devait fermer les lieux de concert. Vous, les artistes, là, boum, vous n'avez pas de métier. Dans une cité, chacun joue un rôle. C'est pourquoi on dit la politique aux politiciens. Soit vous n'aimez pas un politicien, vous le remplacez à travers les élections. Ça, c'est le choix du peuple. Quand ta voiture tombe en panne, tu pars chez le mécanicien. Lorsque tu as besoin du pain, tu pars chez le boutiquier. Lorsque tu as besoin de pain, tu pars au marché pour aller acheter. Comment vous allez, vous qui devez être des modèles, Tiranké Sidimé, c'est vous qui dites, non, on devait dissoudre. Vous êtes qui? Au nom de quoi? Mamadi devait dissoudre. Vous savez que j'ai beaucoup d'estime pour vous. Mais... là, vous commencez à déconner. C'est seulement en Guinée que vous allez voir les artistes guinéens dans les TikTok des gens parler de politique. Vous n'allez pas voir les artistes ivoiriens. Vous n'allez pas voir les artistes maliens. Mais c'est seulement en Guinée. Parce que la Guinée, artiste lou, elle bebraque au Liébi. Elle est à la musique là. Vous ne pouvez pas chanter pour l'apaisement. Vous allez chanter. Non, mais c'est... Si franchement vous rêvez... Vous savez la gravité de vos propos. Braquette, ok. Écoutez. Faire ce qu'ils veulent. Je vais vous dire le secret. Le jour que le président Mamadi Doumbouya a fait le coup d'état, il a dit à tout le monde de se calmer. C'est en ce moment que toute la Guinée, tous les Guinéens, vous les jeunes, c'est en ce moment qu'il fallait dissoudre les partis politiques, au lieu de vous battre pour que Alpha se retourne, ou bien c'est nous nanani. C'est en ce moment qu'il fallait montrer à Mamadi Doumbouya, le président, on a les yeux ouverts maintenant. C'est le... Mamadi est venu. Ils ont cassé Fougou Fougou, où les artistes allaient se récréer Fougou Fougou. Mamadi est venu. Il a construit quel palais de la culture pour vous? Ah non, Tiranké Sidimé, il brillerait là-bas. Il brillerait là-bas. Nalkake Mamadi Souteni là, alias Souteni, tient Kokan. Femina Dani Djamfa Kokan. Alteslan Alanyé, Kwal Sato le Londola. Tu sais que moi j'ai un grand respect pour toi. Non mais franchement, tu es tombé bas. Hein. Moi je ne connais même pas ton compte TikTok. C'est des gens qui ont enregistré. J'ai dit non, non, non. Si c'était des artistes coco en Guinée, mais toi, Tiranké Sidimé, qui a voyagé, qui a fait le tour du monde, tu es venu aux États-Unis, tu as fait le tour du monde, l'Europe, partout dans le monde, tu as été. C'est toi qui dis que non, Mamadi devait dissoudre les partis politiques. Au nom de quoi? Mamadi est qui? Mamadi est qui? D'abord, c'est vous qui voulez créer des problèmes. C'est vous qui êtes en train d'encourager Mamadi à faire des dérives. Mamadi est qui? Le titre foncier de la Guinée, ça appartient à Mamadi. Kakuma Dolfote, vous êtes dans l'émotion, sortez de ça. La Guinée, titre foncier, c'est Mamadi Fataye, à Mamadi Taye. Quand on dit la République, Mamadi lui-même, il a dit devant tout le monde. Personnalisation de la chose publique, Aloukoumaka Ouleye. Personnalisation de la chose publique. L'État appartient à tout le monde. Lorsque vous venez faire des discours, c'est-à-dire dans les TikTok, au lieu d'appeler... Je serai d'accord avec toi quand tu appelles les gens au calme. Là, ça, c'est ton rôle, ça, d'artiste. Mais dire que non, Mamadi devait dissoudre les partis politiques. C'est vous qui les encouragez. Ils n'ont qu'à le faire. Vous allez voir les conséquences. La Guinée, là, appartient à tout le monde. C'est parce qu'eux, ils ont les armes. Qui sont en train de faire ces bêtises-là. Dans la cité, chacun joue un rôle.
D'autres sont militaires, d'autres sont gendarmes, d'autres sont policiers, d'autres sont forgerons, d'autres sont commerçants, d'autres sont enseignants, d'autres sont artistes. Chacun joue son rôle. Mais si tu quittes ton domaine pour venir raconter des salades, si quelqu'un disait aussi de mettre fin à la musique en Guinée, c'est comme moi, je fais le coup, quelqu'un me dit, Damaro, il faut fermer, qu'il n'y ait plus de boîtes de nuit en Guinée, que personne ne chante, qu'il n'y ait plus de maisons de production. Quelle sera ta réaction? Les partis politiques, les politiciens, là, c'est leur domaine. Ils ont étudié, ils ont cherché des doctorats. Ils ont fait les sciences politiques pour ça. Toi, tu vas venir dire, il faut fermer des militaires. Des militaires. Marafonko Mamadi Mandaligné. Mamadi Mandaligné. Vous êtes tous l'affaire de la démagogie. Au moment que les artistes doivent appeler à l'apaisement. Vous savez, Ella Seguna, on l'a critiqué ici, à la Raya Fama. Mais l'une de ses dernières vidéos, l'une de ses dernières sorties, quand il allait, les gens n'ont même pas voulu, ils n'ont pas trop voulu diffuser. Parce que Adam a dit, je respecte quelqu'un qui revient à la raison. Marana Falaobe, Allah subhanahu wa ta'ala, le bon Dieu, il nous dit de nous repentir. Mri, de toujours revenir à la raison. Nga Ella Sagunaga, dernière vidéo rasa. Écoutez, hein. Voilà. La vidéo là, le CNRD, vous savez, il faisait le coco derrière Ella Seguna. Mais ça a été l'une de ses, le meilleur discours de Ella Seguna, Alaraya Famato. Lorsqu'on a, on a invité Ella Seguna à Cancan, et il avait dit à ces gens de faire une tournée, c'est pas seulement au Manding, d'aller en forêt, au Fouta, de faire tout. Même il a parlé de nos bauxites. Aujourd'hui, les wagons passent devant les Guinéens à longueur de journée. Mais cessez. Population mou, cessez profitément. Tiranke Sidimé, voici le discours. Ella Seguna, on l'a critiqué ici. Mais ça, ça a été l'un de ses meilleurs discours. Le CNRD, après ça, ils l'ont mis de côté. Mais parce que cette vérité qu'il a dit, la vérité, là, à cause de ça, ils l'ont mis de côté. Ils se sont plus intéressés à lui. Parce qu'il a dit la vérité. À ton nom, il fallait libérer. L'homme peut se tromper. Il n'a pas l'air de mourir. Il fait tout. Vous avez écouté la vidéo. Tout le monde a écouté ce que Ella Seguna a dit. Père à son âme. Au départ, il les a soutenus. Mais vu la direction, que le chemin que le CNRD a emprunté, Ella Seguna non di fala neibe. Nere na geli era e beni. Mora keme nere minima. Bauxite
à me profiter ma population. Parce qu'il n'y avait pas de route. Kirayomuna. 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 Merci les petits ranqués Sidimé aujourd'hui qui sortent sur les TikTok en train de dire aux jeunes, voilà, en principe, on devait dissoudre les partis politiques. Vous avez vu quelle démocratie où on dissout les partis politiques. Minute. Désolé la famille, partagez. Donc, les artistes là, si vous voulez chanter pour Mamadi, chantez pour lui. Ça, c'est votre droit. Personne. Moi, je ne suis pas contre un artiste qui va chanter Mamadi Doumbouya. Mais lorsque vous venez dire dans les panels que non, il devait dissoudre les partis politiques. Ayal Nyenako, non, la Guinée trifoncée, Mamadi Talé. Alte Mamadi Féo. Vous ne voulez même pas aider Mamadi. Allez citer Mamadi fait. Allez faire Kaka Mamadi. Allez faire Kala Bedenka Léon. Allez faire Kafoko Mamadi. Vous pensez que c'est un royaume? Mamadi la loni timini, djene tara dans l'armée. Mko sababou le kobela. Sababou le kobela. Sababou le kobela. Sababou le kobela. Ni Alpha Condé tout m'a dit. Ka force spéciale créée. Mamadi Kokokuma, en tout cas Mamadi Romini. Alal Sila, Kakokuma Kumaï. Dire en tout cas Mamadi Rom. Alpha Kondé Nala Watimina, force spéciale Terei. Alpha Kondé, Kam Mamadi Kamurfal Takadi Mamadima, Katimala Gad Koka, ni Lanayate, dire du ok. Force spéciale. Kamurfata Kadaluma, Kolomina terroriste le bras de la Guinée. Kosa Mamadina la Molu. Al disait Kaloukere, ba terroriste lui Malila. Ni oti ka masa oboy aldale siko anuye nyina Alpha Condé ko tiranke ande Alpha Condé anda mato anda souteni ni man ka do tate fisri lom baliyay present Alpha Condé ka foro lo ko man ka cadre do ko certain so malhonnête ka ke man ka lunye present Alpha Condé na la banga lettre ba ka nyamana kan ka pousser lettre ali wala tronk la yorom no sherifou la ka la dan ka dalma hôtel de comment on appelle l'hôtel là? Buffet de la gare. Car là-dedans, Kadalouma. Kankan Demisenlou. Car Barretta Kadalouma. Villa Mie Kankambi. Miloni Alpha Konetere. Alors nous Watidjouma. Ministre de la Défense, Kankaka, Dr Diané. Car Ministriata Kadouma. Chef d'état-major, Namouri. Commandant de Bata, unité plus de 2000 personnes. Aboulaye Keita. Katakadi Aboulayma. Commandant des forces spéciales, Mamadi Doumbouya. Ministre du territoire et de la décentralisation, Brahma Kondé. Mie décret la bolaka foko sur la sur. Allez voir Kaketa, Brahma Kondé. Gouverneur de la Banque centrale, Nabé. Directeur du port autonome, Général Toumani, Douane. Ministre du budget, Djoubaté. Et à la coprésal fa connaître mon calunia al te fra la fisri lom balia la wati dolla al te maloya présal fa connema al te maloya fisri lom balilu al te maloya la vous n'avez pas honte agne joto broro kaso nal ta te fisri lom balia ye présal fa connait kam calunia al di basara la présal fa connait kam calunia al di basara la nal ta te fisri lom balia ko agne ni la présal fa connait ko agne la ton présal fa connait ko Kalon alunye kake alunye. Alunye ka djamfa, moi c'est ma djamfa. Lansa na konte tre a 24 ans. Mouna mouna kan sou soufra. Mouna domi lo lansa na konte nye, père son âme. Alpha Condé ko ke. Ko danka la nou ko. Kwa nou di président Alpha Condé toye. Ko danka la nou ko. Ne damaro miye kouma l'entre gouvernement de lo. Alou tiranke sidime. Les anciens gloires de la musique. Banta Manso. Les anciens pour que les artistes soient payés en Guinée. C'est sous le régime d'Alpha Condé. Kawarita, Sekouture Tere Bouana Alade. Je ne parle pas le temps de frère Sekouture. Mais les gloires, Kawarita Kadalouma, Alpha Condé le Kaoké.
Mouyeye, qu'est-ce que le président Fakone n'a pas fait pour vous, les artistes? Ka membre taka dit artiste de l'Ouma. Alou tirankez, le kektoa fola dit. Kwa ni ouye ni la président Fakone ko. Kwa fils de l'homme bali la nous dit. Ani n'a ton président Fakone ko dit. Ni Mamadi Doumaligné, allié Mamadi soutenu sur la base de la vérité. Président Fakone kamin keman kalounye. Handiye ba anta sarasolo. Mamadi la régime lo. Ani ala. Ça dit anta sabariba. Ani joto broro kaso. Altan Sabari, Djibraba Bona, Adi Benyamima, Anye Bo Slaye, mais Fisri Lom Balia, n'entendant son aoma. Borobo, entendant son aoma. Foutez, entendant son aoma. Vous savez que vous avez trop exagéré. Vous êtes là tout à diaboliser Seloudale. Selouma Mourfata. Selouma Mourfata. Et Marafo Benyene, Alié Mali Mafene, Alié Burkina Mafene. Danatimi, Danatimi, wole ka kem oluka murfata jamana ulkonoye. La Guinefla, idi kobe fo, kowari duma lunye, julaya duma lunye, kobe duma lunye, men hansini, la Guinefla lu, alma murfata monsi kama lunkirin. Lunkirin, amam fo lunkirin, ko la Guinefla lu bara rebellion ke, ka murfata, la Guinekama, lunkirin alma ke. Ida fo kowari duma lunye, ko tantantan, men lunkirin. Donc, Albrakra Koulukela, Aliake, Hankirila. Vous allez détruire ce pays-là, Nalma Kekonye. Il faudrait que vous arrêtiez un peu. Fissil Lombalia, allez au bal farlo, quoi. N'ka ou le fond, maman, d'y en a. RPG Mol, tena qu'elle a fait, Nama Alpha Condé Bouyé. RPG Mol, tena qu'elle a fait, Nama Alpha Condé Bouyé. Nama Alpha Condé Bounye. LPG Mol te café. Nama Alpha Condé Bounye. Mais les escrocs, elles te fait kaoleme. Les balas, les Idi Amin, elles trop te fait kaoleme. Le président Alpha Condé est venu. La famille de feu Ahmed Sékou Touré, malgré leur bras de fer, il a respecté la famille de Sékou Touré. Il allait sur la tombe de feu Ahmed Sékou Touré pour aller faire des prières. Vous, vous pensez que la démagogie que vous êtes en train de faire, on a donné le nom de l'aéroport? Non! Même ça, c'est le Parlement, c'est les élus du peuple qui doivent valider ça. Ce n'est pas un homme qui se lève pour dire on a donné le nom. Nous, on n'est pas contre des. Mais pour vous dire, dans les normes, Saria Bourouma, 4 régions naturelles, un individu ne se lève pas parce qu'il veut donner le nom de tel. Regardez le pont de Kagbélé qui devait être échangé, c'est le président Alpha Condé. Kaseke, Kabo, Kakobeke. Car cela, bref, coca, embouteillage lui éviter. Mais Mamadi a pris le nom là pour donner à Paul Kagame, au mal Torodi. Vous trouvez ça normal dans un pays nord, dans un pays où on dit on est tous des Guinéens, qu'un petit clan décide de tout, le nom de l'aéroport, on donne les cases Bellevue. Il y a des procédures à suivre. Les élus du peuple, c'est-à-dire tout le monde ne peut pas parler. C'est pourquoi on parle du Parlement, des députés. Ces pouvoirs-là sont séparés. C'est-à-dire des gens qui parlent au nom du peuple. Des gens qui sont à côté du peuple. Où les Djamana la Wala Niefe, où les Saria la Wala. La justice doit être indépendante. Mais aujourd'hui, tous ces pouvoirs-là sont avec Mamadi. Vous trouvez ça normal? Vous êtes en Europe. Vous voyez les gens sortir. Ils disent tout ce qu'ils veulent. Vous voyez des parlementaires même qui parlent même de la présence des militaires guinéens, des militaires français en Guinée. Vous voyez ça dans les médias là-bas. Ça veut dire que ça, c'est les élus du peuple. Donc, à un moment donné, il faut changer. Hein. Je crois que vous devez être âgé que moi. Tiranke Sidimé. Alliés, allô artistes, vous les artistes dans la cité, vous devez appeler à l'apaisement. Les docteurs Kassori qui sont en prison, les autres là, c'est vous qui devez appeler, comme l'a fait Ella Serouna, paix à son âme. Il faut arrêter à un moment donné. Regardez les autres pays. Au Burkina, vous n'allez pas voir les artistes dans les TikTok. Au Mali, vous n'allez pas voir les Babani dans les TikTok parler de politique. Vous partez en Côte d'Ivoire, vous n'allez pas voir les Aïcha Kone, la maman Aïcha Kone, ainsi de suite. Les José et autres, là, vous n'allez pas les voir dans TikTok.
Mais c'est seulement en Guinée. Les artistes guinéens. Ah non, mais le pays là, que vraiment que Dieu nous vienne en aide. Hein. La Guinée est mal partie. Vous ne comprenez rien en politique. Qu'au nom, il fallait dissoudre les partis politiques. Au nom de quoi? La République là, le pays là, tout ce qui est bien de l'État, ça nous appartient tous. La Guinée quand nous bétale. Mais pour bien répartir, c'est bien. Pour bien répartir, c'est pourquoi on a dit des élections pour le choix de la majorité. Ce que la majorité décide pour ne pas qu'il y ait, voilà, on se plaint, il y a ça, il y a ça. On parle d'alliance souvent entre les partis politiques. Comme vous voyez aujourd'hui, l'UFDG, ANAD, le RPG arc-en-ciel, c'est-à-dire diamant, ce que la population, la majorité décide. C'est ça la démocratie. Démocratie à définition belle, le choix de la majorité. Majorité est mis fait. Aïofra ou le Mako, démocratie. On a dit non, il n'y avait pas la démocratie au temps d'Alpha Condé. Malgré tout ce que le président Alpha Condé a fait. Qu'à Sabari, qu'à Diakolouma, qu'à son Koshamama, qu'on a qu'à démocratie. Et si on a enlevé le président Alpha Condé, qu'il n'y a pas de démocratie. Ceux qui viennent là, et c'est vous les supporters qui êtes là en train de dire, il faut dissoudre les partis politiques. Vous voulez la paix dans ce pays? Vous voulez pousser les gens au lieu Mourfata, Union Kama, ou le loyal là. Parce que quand on, si les gens voient que leur voix n'est pas écoutée, ce qu'ils veulent, c'est pas écouter. Moldi Mourfata. Et ça va être la loi du plus fort. Bedike Mourfati. Vous pensez que les armes que les forces spéciales ont, si les gens de Bata, ils avaient ça, et les autres militaires, vous pensez que Mamadi est qui? Vous pensez que Mamadi va faire un jour au pouvoir? Vous pensez que les Amara qui se gonflent, les balas là, ils vont se gonfler devant quelqu'un? Allez, la côte, elle a le dit. Tiens, elle a le dit. Allié Mourfabla, Nadal en coach, elle a lui dit. Au lieu d'encourager ces gens-là à bien faire, non. Ils sont là-bas en train de raconter de n'importe quoi. Même les Burkina, le Mali. Je ne dis pas que ça va dans ces pays. C'est au peuple de ces pays-là pour nous dire ça va pas. Mais, ce qui se passe chez nous, nulle part dans le monde. Bravo, on calia que cognade. Allez faire kako que sou komie. Dadis est venu ici. Vous n'avez pas dit à Dadis de dissoudre les partis politiques. Les Idi Amin, ils ont mis la pression à Dadis. Ils ont dit à Dadis ici d'organiser des élections que une année c'était trop. C'est pourquoi Idi Amin a eu les problèmes avec Dadis. Mais aujourd'hui, eux, ils font 3 ans de transition. Et c'est lui et Bala aujourd'hui qui sont à la base de tout ça. Mamadi seul, vous savez, Mamadi, il a à peu près les mêmes comportements que Sekouba Konaté. Quelqu'un qui aime la belle vie, le luxe. Aurait été Mamadi seul avec la pression. Mamadi, l'argent qu'il a eu là, il allait aller faire la belle vie. Il n'allait même pas chercher à faire un jour de plus. Mais ceux qui sont à côté là, c'est eux qui sont en train de l'induire en erreur. À la dernière minute, ils vont le lâcher. Et c'est comme ça va se passer. Sinon, Dadis est venu ici. Si vous saviez soutenir un président, pourquoi vous n'avez pas dit à Dadis de dissoudre les partis ou bien de rester aussi longtemps? Pourquoi vous n'avez pas dit? Pourtant, ce que Dadis a fait pour l'armée guinéenne, Mamadi n'a même pas fait. Ça dit un centième même, je dis bien. Kakerenta Kemero Amake, ce que Dadis a fait. Parce que Dadis allait en guerre. Dadis a conduit des unités. Mais Binko le Kasso l'a dit. Alors qu'on a coqué sous-côté Djamana. A te Djamana la wala yurosi. Les gens de Kankan, Kobekela. Pourquoi les gens de Kankan ne soutiennent pas? Oui, je dis, ça va rester dans l'histoire. Et tout le monde va respecter Kankan. Ni Kankan kan tre Djamfantele. Al tre Dido Mamadi Koro. Sini sini. À très défaut. Qu'au coup d'état qu'elle a, à tout à fait, Mankale, à fait, Kankan a soutenu son fils, malgré qu'il a trahi. Mais, Hansini, la Guinée-Ka Moumebe, Futaba, Foreba, Baskotba, Alpekaye. C'est pourquoi ils ont voulu manipuler Elay Serouna. Et Elay Serouna est parti là-bas. Il est allé, il les a dit la vérité. On a voulu la Guinée-Ka.
Ça, c'est à Cancan. Ça, c'est l'un des dernières rencontres pour que Ella Seguna disparaisse de tous les micros, des radars. Pourtant, ils ont appelé pour parler de dialogue, de assises. Le monsieur a pourtant dit la vérité. Vu la situation du pays, tout ce qui sort comme bauxite, la population n'en profite pas. Parce que regardez le pays aujourd'hui, il n'y a même pas de route. Pourtant, ils ont multiplié même, c'est-à-dire ils ont doublé la production avant le coup d'État de la bauxite. Mais où l'argent part? On voit des blindés. Chaque blindé coûte à peu près plus de 300 000 dollars. Près de 3 milliards. Des blindés bien sophistiqués, 400 et quelques ou 500 000 dollars. Tout ça, ça sort à longueur de journée. L'année passée, tous les Guinéens sont témoins. À ce moment, on n'avait pas fermé les médias. Le prêt que l'État a fait du côté des banques privées, plus de 500 millions de dollars. 500 millions de dollars. Ils ont fait quoi avec cet argent? Où est l'impact sur les Guinéens? 500 millions. Aujourd'hui, la dette, c'est plus de 2 milliards 500 millions aujourd'hui. Depuis l'arrivée du CNR. Malgré qu'ils ont trouvé près de 2 milliards. C'est-à-dire, les recettes vont où? Ella Seguna avait dit ça. Paix à son âme. Il a parlé des prisonniers politiques. Tout le monde a vu. Il n'y a rien dans leur dossier. Il a demandé que oui, que même s'ils ont parlé de justice, que même s'ils veulent que les gens la payent, lui-même, il a demandé pardon, qu'on demande pardon pour que ces gens-là, on les libère. Et là, c'est qu'on avait dit ça ici. Mais on a compris que ces gens-là ne veulent pas la paix. C'est des millions et des millions de Guinéens qui aiment Ella Seguna. C'est des millions et des millions de Guinéens qui aiment Alpha Condé. C'est les deux figures emblématiques de ce pays. Lorsque vous vous en prenez à ces gens, vous voulez déstabiliser le pays. Vous ne voulez pas la quiétude. Vous ne voulez pas la paix. Les onze dernières années, c'est nos figures emblématiques, Alpha Condé et Seguna. Tant que vous ne respectez pas ces gens-là, tant que vous ne faites pas en sorte que ceci-là soit autour du dialogue, c'est que vous ne voulez pas la paix dans ce pays-là. La Côte d'Ivoire, il y a eu 3000 morts à Diokoué. Laurent Gbagbo, il était à la Cour pénale internationale. Le gouvernement de la Côte d'Ivoire, ils ont tout fait pour que Laurent Gbagbo rentre. Vous avez vu comment Laurent Gbagbo a été accueilli comme un président lors de son retour. Tous les exilés, les artistes, les chaises cassées de la Côte d'Ivoire, ils sont tous rentrés, les blés goudés. Lorsque des leaders veulent rassembler, veulent la paix, il y a des choses qu'il faut accepter, les sacrifices.
Mais lorsque vous, vous êtes dans l'arrogance, quand quelqu'un dit un mot, vous les attrapez, vous les faites disparaître. Vous pensez que c'est ça la solution? Vous ne faites qu'aggraver vos problèmes à vous, parce que rien n'est éternel. Le jour que vous allez tomber, vous allez rendre compte de tout ce que vous êtes en train de faire. Ce n'est pas vous qui avez jugé le CNDD, le gouvernement de Dadi, ce n'est pas vous. Vous, vous pensez que d'autres ne vont pas vous juger. Vous pensez que d'autres ne vont pas vous juger. Et Aloumial Sila, Kake, Kuma Kuma, Yo, Mamadi, Kotila, Alou le Keto, Mamadi, Djou, Folois, Adamina. Le jour qu'ils vont attacher Mamadi, c'est encore vous les démagogues. Parce qu'on vous a vu ici au temps du président Alpha Condé. Vous étiez les mêmes personnes comme Dakaradjan, co-agricultrice ou je ne sais quoi. On les a tous vus ici. Mouvement des jaunes. Ale Mousso, c'est-à-dire opportuniste loup. Altal la fani de Nairosi de Fotere Barakrabola Yoromino. Nafilou. Alsousou Koumalabi. Surtout Ale Mankadien. Alsousou Koumalabi. Alpha Condé Tere. Founitou Kalouye Allah Nafiyaloula. Mais pas qu'au pouvoir brabé. Intérêt. Alouka Olelo. Oranta Louye Bouto. Aloula Sila Nafiyala. Comme Mamadi Mandi Aligné. Mamadi Mandi Aligné. Alte Mamadi fait. Ali fait comme Mamadi Rotienne. Parce que, au fur et à mesure que Aliou Moltoniola, Dolde Mourfatago, Néo Falienne Bi, Ayodo Al Tororo, Danatimi, ou le Kabadjibéa. Danatimi ne Kabadjibéa. Danatimi ne Kabadjibéa. Nalka me comme Oliou, Korebelio, comme Oliou Mourfatala. Parce que Nalka y est solution, dialogue côté. Minouyeye, Allanaliera, Bamorfala Alboro, Tolwoto Morfatala Olerogo, Nyo Falinene, Ayodo Al Tororo. Solution y Alboro Watimina, Al Kaka Kalukuna Bareli. Al Kaka Kalukuna Bare. Parce que Molu Barayela, Al Tal Kumakana Mena, Diamanakono Denule, Al Dokashia, Fankaya Alboro, ou Al Loyal de Morfata. Vous pensez que les commerçants, les vendeurs de médicaments, quand la business retient, Allah est la cause des solutions, ou Al Loy. A wati brasra lomina, a luyere al didimisa. Ba mo cité kerefe. Mo cité kerefe. A lou le koto mo lou pousse la. Parce que mo lou bara yila, toro ya do brasse la. Al fono kata falale, ah. Parce que aujourd'hui, face à face, devant le peuple, si ce n'est pas vos armes, qu'est-ce que vous pouvez faire? Al disse mounkela. Al disse mounkela. Al disse mounkela. Foy. Ali obla al kounode. Mais, à l'autre de la timo, là, moi, je dis, fata l'ondo, la diamana du rotien. Et c'est vous qui serez les responsables. Parce que vous avez jugé le CNDDA. Vous avez dit que les dadis ont refusé d'organiser des élections. Les leaders politiques ont appelé à barrer la route devant les dadis. C'est pas vous qui avez jugé les dadis. Naltate nalomayaye. Naltate nalomayaye. Si ce n'est pas de l'ignorance totale, si vous ne faites pas exprès, est-ce que vous, vous devez emprunter le chemin là? Je vous ai dit, moi qui sont, Naka Diagne, Alpha Condé Diagne, Naka Diagne, Akana Diagne, Naka Diagne, il faut aimer Seloudalé. Si tu veux, il ne faut pas aimer Seloudalé. Mais le président Alpha Condé, le président Selou de l'UFDG, ce sont nos figures emblématiques. On ne peut pas tourner la page de ces gens-là dans la pagaille du CNRD. C'est le peuple qui va tourner leur page, mais ce n'est pas des individus. C'est le peuple de Guinée qui va décider, Alpha Condé, nous ne voulons plus de toi. Selou Dalé, nous ne voulons plus de vous, mais ce n'est pas des individus. Sinon, ces gens-là, ils ont déjà Al-Kisson. Et le jour que ces leaders-là vont appeler à la désobéissance civile, de la manière dont vous avez jugé le CNDD, c'est vous qui avez pris l'engagement devant le peuple de Guinée. Vous avez prêté serment. Vous avez dit en 3 ans, vous allez organiser des élections. Ni Mamadi Doumbouya, ni aucun membre du CNRD ne sera candidat. Personne ne vous a imposé cela. Même la durée de la transition, vous l'avez signé avec la CEDEAO.
aucun leader politique aurait été les leaders politiques. Ils allaient tout simplement dire 12 mois. Mais vous avez fait une année, 3 mois, avant de dire à la CEDEAO que 2 ans, ça vous suffit. La Guinée n'a pas eu les mêmes sanctions que le Mali, le Burkina. Il n'y a même pas de pression. D'ailleurs, la France, ceci-là vous supporte. Pas de sanctions. On vous a dit, ok, vous voulez les 2 ans, on vous donne les 2 ans. Vous avez parlé de 10 points. Dites-nous, qu'est-ce que vous avez respecté parmi les 10 points-là cités? Vous n'avez pas respecté les 10 points. Vous n'avez pas respecté vos engagements. Et vous voulez que ce même peuple accepte que Mamadi encore reste à la tête de ce pays? Les médias, malgré les critiques sur le régime d'Alpha Condé, vous avez vu quelle démocratie où il n'y a pas de critique. C'est pourquoi je vous dis toujours, ces gens-là n'ont aucune notion de la République. Bala, c'est un Gbodo. Idi Amin, c'est un Gbodo. Amara, c'est un Gbodo. Je vais respecter Mamadi un peu. Comme je vous l'ai toujours dit, le fait qu'il m'a écouté, je lui ai parlé et je lui ai dit, je le mets en observation le jour qu'il va changer. Donc, je vais toujours le critiquer. Mais de la manière dont je me comporte de façon vulgaire envers les autres, lui, je vais l'épargner un peu. S'il change, alhamdoulilah, c'est bien pour lui. S'il ne change pas, nous n'allons pas changer. Chaque jour, nous serons là à dénoncer. Parce que quand ils ont fait le coup d'État, ils ont dit non, il n'y avait pas de démocratie. Il n'y avait pas de justice. Mais depuis qu'ils sont venus, les médias sont fermés. Malgré les critiques de Espace envers le régime d'Alpha Condé. Mais est-ce que le régime d'Alpha Condé a fermé les médias? Le FNDC, avec autant de manifestations face au régime d'Alpha Condé, est-ce que le gouvernement d'Alpha Condé a dissous le FNDC? Non. Mamadi a fait le coup d'État parce que El-Assiru Dalla, l'UFDG, le FNDC, Sidi Touré, que tout ceci-là, il n'y avait pas d'entente. Pour lui, si le président Alpha Condé était bon, il devait protéger le régime d'Alpha Condé. Mais il ne l'a pas fait. Il a dit, on doit changer. Ok, vous avez changé. Quel est le sort de Sidi Touré aujourd'hui? Quel est le sort de Sidia aujourd'hui? Quel est le sort de FNDC, surtout de Fonike Mang et de Bilo aujourd'hui? Vous avez apporté quel changement à la Guinée? Quoi qu'on dise, le sac de riz pendant le régime d'Alpha Condé, 11 ans, était vendu à 230. Est-ce que vous pouvez nous démentir? Le port de Conakry était le port le moins cher. Il y avait l'activité partout dans le pays. Le pays est en chantier. Tous les chantiers que vous êtes en train de faire, qui les a initiés? Alpha Condé venait, le pays, il n'y avait rien dans les caisses. Ils se sont battus. D'ailleurs, à cause de vous, si vous saviez combien de projets, des milliards et des milliards. Vous savez, Dieu nous a donné une chance, mais le Guinéen, le jour viendra. On dit le vrai bonheur, on ne l'apprécie que lorsqu'on l'a perdu. Alpha Condé, Dieu a fait, lorsqu'il était étudiant, le président des étudiants noirs en Europe. Aujourd'hui, il y a plusieurs chefs d'État à travers le monde qui sont amis avec le président Alpha Condé. Un leader doit avoir un carnet, doit avoir des réseaux. Simandou, dont le CNRD se tape la poitrine, Simandou 2040, je ne dis pas que c'était impossible, mais n'eût été les relations du président Alpha Condé. Bernie Steinmetz, le franco-israélien, tout, ni Mamadi Doumbouya, ni Idi Amin, ni Bala Samoura ne pouvaient trouver des gens pour prendre Bernie Steinmetz en procès pour que Simandou revienne dans le portefeuille de l'État guinéen. Celui qui s'est sacrifié, qui a tout fait grâce à ses relations, c'est le président Alpha Condé. Il ne faut pas que les Guinéens soient ingrats à un moment donné. Ceux qui font la propagande de Simandou, là, n'eût été le président Alpha Condé, on n'allait même pas parler de Simandou aujourd'hui.
Pourquoi ils ne vont pas retirer Sagre? Pourquoi ils ne vont pas retirer Rusal? Pourquoi le CNRD ne retire pas? Pourquoi le jour du coup d'État, les trains là, ça circulait? Pourquoi? Mais celui qui a fait, qui s'est sacrifié, qui a tout fait pour que Simandou revienne, c'est le président Alpha Condé. Eh tiens, Alte Sila Alagne, Alie Molou Bounye. Alte Molou Bounye. Alte Sila Alagne. Et je vous ai dit, le temps du président Alpha Condé, il y avait combien de Guinéens qui vendaient aussi la bauxite? Le changement actuel, notre économie, c'est parce qu'on a des gens qui ne veulent pas que d'autres Guinéens deviennent riches. Des gens comme les Bala. Là. Parce que les mines aujourd'hui, là, c'est Bala. Aujourd'hui, on a vu ce qui s'est passé à Mandiana. Ils ont chassé les gens d'aller cultiver. On a chassé les gens dans les mines. Ces mêmes mines, là, aujourd'hui, Chinois, Lula, Kabika, qui sont en train d'exploiter là-bas et en train de détruire la nature. Tout le monde voit ça. On vous a montré des images. Aliaka Kamol, là, ce n'est que Finka Berotien. Et lorsque ces gens-là viennent, ils exploitent nos mines. L'argent, là, c'est dans les banques en Chine, ils mettent. En Australie, aux États-Unis, en France, un peu partout dans le monde. Ce n'est pas dans les banques. Vous savez, s'il y a l'argent dans les banques, les entrepreneurs, ils peuvent venir crédit. Les hommes d'affaires, les gens peuvent créer de l'emploi, des activités, comme aux États-Unis. Quelqu'un veut faire du projet, tu vas, tu montes ton plan, voilà, il y a des garanties, tu prends l'argent. Mais aujourd'hui, les caisses, les banques privées, bah, l'État même qui allait même prendre l'argent des banques privées, le peu d'argent qui était là-bas, que les entrepreneurs devaient prendre pour faire d'autres activités, l'État même aujourd'hui n'a rien. Voici des réalités. Naluki si Orokonoko, on va laisser le pays dans les mains de ces gens-là. Eh, la Guinée-Kalo, Altal Nyamaka. Altal Nyamaka. Ça, moi, je vais m'arrêter ici. Voilà, c'était pour donner un peu de conseil à la grande sœur Tiranké Sidimé. Voilà, moi, je vais toujours te respecter. Ce n'est pas aujourd'hui, avant le coup d'État, toi et moi, on a une fois échangé, ou bien deux fois même. Et tu avais mon contact, j'avais ton contact. J'ai toujours un grand respect pour toi. Mais sache que dans une cité, que chacun doit jouer un rôle. Les artistes doivent être là pour apaiser, voilà, pour conseiller. C'est ça le rôle. Mais les artistes ne doivent pas venir dire que non, il faut fermer, il faut faire ça. Soit tu n'es plus artiste, vous devenez membre d'un parti politique. Tiranké Sidimé, vous sortez sur TikTok là, ça n'aide pas la Guinée. Ça n'aide pas la Guinée, ok? Ça n'aide pas vraiment la Guinée. Moi, je respecte les artistes comme les Sekouba Bambino. Je respecte les artistes comme les Sekouba Bambino. Je respecte Sayon. Hein. Ce n'est pas parce que Sayon Camara est invité à les événements du CNRD que je vais la critiquer. Non. Elle va pour ambiancer. Mais tant qu'elle ne dit pas « Soutenons Mamadi » ou « Faisons ça », elle chante. Je suis d'accord. Elle peut même chanter Mamadi. Mais le jour qu'elle va dire « Soutien », c'est là que j'ai problème avec un artiste. Vous êtes libre. Momo, allez faire comme Momo Mato. Alissati Mato, là, c'est votre droit. Mais lorsque vous sortez de votre cadre, Kafoku, vous allez dire soutien. Allah, vous devenez des politiciens, on va vous répondre comme des politiciens. Makanera, c'est notre doyen. Mais hier, on ne l'a pas loupé. On lui a dit nos vérités. On ne l'a pas insulté, mais on lui a dit nos vérités. Si vous ne voulez pas qu'on vous réponde, vous restez dans vos cadres, c'est tout. Merci Amadou Talisman Diallo, merci à Sam le Normand Oduno. Bana Bana, merci à vous. Mohamed Touré, merci à vous. Merci à Ali Keita, Noan Keita, Alexandre Pivi, Sam le Normand Oduno, Mondoyen Kababakari, Diallo Cravate Junior, Yero Balde, merci à vous. Djibril Konaté, Daouda Fanta Konaté, merci à vous. Brigitte Johnson, merci. Diomande Ambara, merci à vous. Abaka Sidiki Kamara, Soujata Dumandeng Koulibaly, merci à vous. Merci à Abaka Sidiki Kamara. Mamadou Saïdo Diallo, merci à vous. Merci. Voilà. Abou Traoré, merci à vous. Amadou Talisman, merci beaucoup pour le cœur. Voilà. C'est grâce à vous.
Sinon, n'eût été le CNRD, ils auraient fermé. Merci pour le cœur. Voilà, Lamzi Comara, merci à vous. Restons unis. C'est le pouvoir du peuple. Moi, tout ce que je demande aux Guinéens, renforçons l'unité nationale. Aimons-nous en tant que Guinéens. Voilà. Ombiri la Guinéka, onga ombori Rafa. Personne ne peut dire à l'autre. Déjà, à la Baragarabade, nous sommes tous des Guinéens. Moulama. Moura intérêt na Narankoui. Nous devons nous battre pour ça. Ibrahim Asila, merci à vous. David Bangoura, merci à vous. Merci à Lil Boys, PF officiel, merci. Ella Jamadou Tidjan Diallo, merci. Soumaïla Kondé, Ambeka Kaka Freke, Anye Diagnonye, Alié Manamana Kuma Susula, O Fla Lukenta, Breseluyeta, Sosoluyeta, Flefeinuta. Ça, ce sont les faibles d'esprit. Ceux qui n'ont rien dans la tête. Ceux qui n'ont rien dans la tête. Aujourd'hui, Guirassy joue très bien. Qui n'est pas fier aujourd'hui de dire que Guirassy vient de la Guinée? C'est le Guirassy qui joue au ballon là. Ça, c'est une fierté. C'est comme si demain, on avait des scientifiques. Un Guinéen qui fabrique des véhicules. Un Guinéen qui peut produire de l'électricité. Ça, c'est nos fiertés, ça. On n'a pas besoin de dire les temps, temps, temps. Ce sont nos fiertés. Mais ceux qui viennent, les esprits faibles, ah, Moutan Sosefe, Foulefe, Mankafe, nous devons bannir ces gens-là dans notre société. Mais ceux qui viennent pour nous aider, regardez au Burkina. Regardez l'école actuellement. Regardez comment ils sont en train de développer la science. Les enfants. C'est une honte pour nous. Un pays qui est en guerre. Nous, on est tranquille. Mais quand il s'agit de faire branding, des futilités, co-branding, en Europe, partout, branding, ça nous apporte quoi? Idi Amin, qui est en train de construire une école militaire. D'ailleurs, vous avez vu la dernière fois sa frustration contre les entreprises, comme pour le retard. Vous savez, ces écoles-là, à la longue, ce que ça va nous créer, ce que la France a raté pendant des années en Guinée, depuis 1958, ils sont en train de tout récupérer actuellement. C'est pourquoi il faut mettre ces écoles militaires. Putain, quoi là? Tout ça, c'est fait exprès. Voici des gens comme le coup d'État en Guinée. Lansana Conté a fait combien d'années ici? Alpha Condé était dans l'opposition. Pourquoi les Idi Amin n'ont pas fait de coup d'État à Lansana Conté? Mamadi, qui est légionnaire français, ça nous enseigne quoi? Ça nous enseigne quoi? Ça doit nous donner à réfléchir. Toutes ces écoles-là, demain, ça va jouer sur nous. Wallahi billahi. Moi, le prochain président, formation des militaires, il n'y a pas de problème. Mais cette école, tant qu'elle est soutenue par la France, pitané quoi là, nous allons détruire. Ça, il faut être certain de ça. Si nos militaires veulent venir se former, aller en France, revenir, aller faire tant. Mais ces écoles-là, ça doit être des écoles propres à l'État guinéen. Mais ça ne doit pas être soutenu par la France. Nous disons non. Pourquoi on ne vient pas nous construire des écoles de sciences, des écoles où on forme des agronomes? Pourquoi la France, dans nos universités, nous parlons le français? Pourquoi cette francophonie? On ne nous envoie pas des scientifiques. Enseigner des Guinéens pour devenir des scientifiques, c'est seulement la formation militaire. Encore demain, lorsque un Guinéen qui va se lever, comme l'a fait le président Alpha Condé lors du forum économique, pour dire il faut couper le cordon ombilical, à chaque fois un chef d'État se réveille. Au Congo, vous pouvez voir. Depuis que Tshisekedi s'est réveillé, vous avez vu la rébellion M23. Chaque fois que nos chefs d'État comprennent le système, commencent à couper les intérêts de ces nations-là, c'est fini. On sème le désordre. Parce que ces grandes nations dépendent de leurs multinationales. Parce qu'ils viennent faire des milliards. Regardez Arriva du côté du Niger. C'est pourquoi je dis, je ne parle plus du Burkina, du Mali. C'est vrai, le coup d'État, je suis contre toutes sortes de coups d'État. Mais vu ce que certains chefs d'État sont en train de faire, c'est pourquoi je ne parle plus. Parce que lorsque vous regardez, effectivement, la France, sa présence chez nous en Afrique, c'est pour ses intérêts. La France n'a pas d'amis. La France n'est pas là pour la démocratie. Donc, ces écoles-là, Idi Amin, ne vous fatiguez même pas.
ne sont pas contre la formation des militaires. Mais toute école militaire soutenue par la France, nous n'allons pas l'accepter. Vous avez vu, vous êtes sortis pour nous embrouiller. Oh, ceux qui disent la présence de bases militaires. Vous savez ce qu'il y a sur Ronconi. Vous avez peur aujourd'hui de la réaction du Mali. Vous le savez bien. Vous le savez bien. Vous avez vu, depuis qu'on a parlé de ça, j'ai même dit aux Maliens de faire beaucoup attention. Vous n'avez pas vu l'attaque de Bamako tout récemment? Pourtant, on avait alerté les Maliens de vérifier, de surveiller ceux qui me suivent ici. Pourtant, j'avais dit ça. Comment la rentrée de Bamako, tous ces logiciels, les gens là sont rentrés avec. Sinon, ils ne sont pas soutenus. Vous avez vu le coup d'état en Guinée? J'ai dit aux Guinéens, même ceux qui n'aiment pas Alpha Condé, mais vous devez savoir que le jour du coup d'état, il y avait des forces étrangères ce jour-là. Vous avez bel et bien vu. Le congressman ici aux États-Unis, Mark Gates, a questionné un général de l'armée américaine. Pourquoi ils ont formé quelqu'un qui a enlevé le président? Ils étaient au courant. Tout le monde a vu la vidéo là. Réveillez-vous les gars. Réveillez-vous. 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 Alpha Condé devait partir. Mais aujourd'hui, d'autres voulaient le gâteau qu'ils ont perdu en 58. Aujourd'hui, tout est devant eux. Ça, je vous le dis. Hein. Pourquoi Dadis est venu? Pourquoi les Français n'ont pas soutenu Dadis? Parce que Dadis ne faisait pas cadeau. Pourquoi ils n'ont pas soutenu Dadis? Pourquoi les critiques envers Dadis? Parce qu'ils avaient pensé que non, le président Alpha Condé, il a passé beaucoup d'années là-bas. Le président Alpha Condé allait prendre le gâteau, les donner. Mais ils avaient oublié. Vous savez, il y a beaucoup qui ont critiqué le président Alpha Condé ici. Mais aujourd'hui, tous les panafricanistes aujourd'hui reviennent à la raison, commencent à dire le coup d'état contre Alpha Condé. Ce sont ces gens-là qui sont derrière. Maintenant, tout le monde revient à la raison. Et c'est le peuple qui doit comprendre ça. Voilà. Tout le monde doit se réveiller et comprendre cela. Vous n'avez pas vu l'ambassadeur voleur de vin. Depuis qu'on a parlé, ils ont remplacé l'ambassadeur voleur de vin. Un ambassadeur français, un consul français à Hong Kong qui a volé vin. Lui, c'est ce dernier qu'on envoie en Guinée, ambassadeur, tellement qu'on se fout de nous. Quelqu'un qui a volé vin. Donc, merci à tout le monde. Quant à nous, comme je l'ai dit, si Mamadi change, alhamdoulilah, nous allons dialoguer. Tout ce que nous voulons, que tous les Guinéens soient autour de la table, le retour à l'ordre constitutionnel, c'est ça notre objectif. C'est ça notre souhait demain, que tous les... Eux qui disaient que les Guinéens ne se parlaient pas, est-ce que nous on parle avec eux actuellement? Est-ce que Celuda les parle avec eux? Est-ce qu'Alpha Condé parle avec eux? Vous avez vu tout ça? Toutes ces belles paroles le 5 septembre, ça sert à quoi aujourd'hui? Est-ce que les médias parlent avec eux aujourd'hui? Est-ce que les médias parlent avec le pouvoir? Est-ce que les partis politiques parlent avec eux? Vous avez vu, tout ça, c'était du blabla, je vous ai dit, le 5 septembre. Le CNRD, est-ce que vous réfléchissez? Est-ce que vous réfléchissez? D'ici le 30e, c'est à vous de voir. Sinon, nous, vous serez surpris, hein. Ça, je vous le promets. Oh Lord, vous serez surpris. Vous serez surpris, hein. Ça, je vous le promets. Anyewa Matou, vous pensez que vos blabla, là, vos tralala, là, qu'on soutient, où vous ramassez les enfants pour amener... Attendez même. Je vais vous montrer une image, des images de Dinguerai. Et ces gens-là pensent qu'ils sont malins. Mais il faut... Ça dit, vous-même, vous n'avez même pas honte. Lorsque je vous disais qu'ils ont ramassé des enfants du côté de Dinguerai, je vais vous montrer. Voilà ces images. Voilà. Et on vient tromper Mamadi à Conakry pour dire, regardez les enfants. Regardez les enfants là. On les fait porter des t-shirts. Regardez les enfants comme ça là.
Ceux-là, ils vont faire quel soutien? Ces gens-là vont faire quel soutien? Regardez les enfants, regardez les images. Lorsque vous partez donner des bonbons aux enfants, lorsqu'on va vider des écoles, on a vu à Cancan, juste pour aller tromper Mamadi, moi lui fait. Pourtant, les pères de famille aujourd'hui, même les fonctionnaires d'État, nous sommes aujourd'hui le 3. Avant le coup d'État, tous les fonctionnaires guinéens étaient payés. Du 23 au 27, tout le monde était payé. Il n'y a jamais eu de retard, que ce soit les enseignants contractuels. Donc, merci à tout le monde. Bonne soirée. On est en...